Salut à tous et à toutes, je reviens dans une nouvelle vidéo, dans une vidéo haul. Vous aurez donc haul action et un haul Jiffy. Ouais. Donc voilà, ne faites pas attention à ma tête parce qu'on est dimanche soir et que du coup je ne me suis pas maquillée la journée, mes cheveux c'est le bordel, enfin bref, je ne me suis même pas occupée de mes cheveux, enfin bref. Tout d'abord, je vais commencer par ce haut parce que je le trouve hyper joli, hyper girly. Et en fait, il vient de chez Kiabi. Donc oui, Kiabi, j'ai dû le payer 10 euros et des bananes, je sais plus. Enfin, c'est mon père qui m'a payé. Mais voilà. Je l'adore et j'ai le même en rose. Donc c'est parti pour le haul action. Donc, tout d'abord, on va commencer par la seule chose qui est de nourriture et c'est une nouveauté depuis, je sais pas si vous en avez déjà vu dans certaines vidéos haul action, mais nouveauté nourriture, c'est que à action vous retrouvez des Tic Tac. Oui, vous retrouvez des Tic Tac. Et ça, c'est super, un paquet de 4. Et je ne sais plus à combien ils sont. Je ne sais pas si c'est marqué sur ce ticket de caisse. Non, pas sur celui-ci. Je ne l'ai pas. Je ne sais plus combien ils sont, mais un peu moins de 1 euro ou un peu plus de 1 euro. Donc voilà, donc un paquet de 4. Là, j'ai déjà entamé celui-ci. Donc voilà. Je vais en prendre un. Et ils sont très bons. Et vous avez donc les originaux et les ceux au citron vert et orange, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc en paquet de 4. Ensuite, non, niveau bouffe aussi. Et une nouveauté aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Mountain Dew. Donc c'est ceci. Vous voyez le Sprite? Bah, c'est la même chose, mais en plus chimique en fait. Donc voilà. Donc c'est au citron. Et c'est sans sucre, mais c'est un peu plus chimique, on va dire. Donc voilà. Et c'est super bon. Oui, désolé, je prends des calories. Et alors? Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui va nous servir à faire des smoothies. Ou à faire enfin, nos récipients, on va dire, pour mettre nos smoothies à l'intérieur ou nos cocktails ou nos jus de fruits du matin. Je me suis pris les verres en forme d'ananas. Donc celui-ci, donc avec la paille et le couvercle. Donc celui-ci est de couleur vert mint, on va dire, ou vert canard. Et je me suis pris le cactus, oui, avec des flamants roses. Et là, ce sont des feuilles de palmier. Et vous en avez dans plusieurs couleurs. Vous en avez en blanc, donc transparent, en violet, en jaune. Donc ces deux couleurs-là et puis les trois autres. Donc voilà. Ensuite, niveau fashion. Niveau fashion, oui. Niveau fashion, je me suis pris cette serviette. Voilà. Donc, ça s'appelle la beach towel. Donc, en forme donc ronde avec des motifs floraux et papillons. Donc, je ne sais plus avec combien elle m'a coûté. Si, 7,95 €. J'ai une bonne mémoire. Et elle fait 1,50 m. Donc voilà. Je ne vais pas vous la déplier. Vous avez déjà certainement vu dans d'autres vidéos. Sinon, je vous mettrai une photo par ici. Ensuite, niveau déco. Alors, niveau déco, je me suis prise ces figures LED en cloche.
Donc voilà, celles-ci, elles y sont depuis 3 semaines en nouveauté. Donc voilà, je vais vous la sortir. Donc, passons au scrapbooking. J'ai les nouvelles planches de scrap. Les planches à embosser avec le trou au milieu. Et hier, j'ai vu qu'il y avait les nouvelles qui étaient arrivées au dernier moment, avant de partir. Je dis non, mais c'est pas possible. Donc du coup, j'ai les petites, comme ceci, avec les fleurs, vous n'allez rien voir du tout, et les tampons ici, et le trou au milieu. Ici, les motifs croisillons, on va dire, ou arabesque, ou baroque. Voilà, avec le petit papillon et la petite citation. La motif brique, voilà, pareil avec les tampons, et les deux grands, donc celui avec les petits pois, ou les petites gouttes d'eau, si on peut dire ça, avec les tampons clear, et le dernier que j'adore, celui avec les flèches, et les tampons aussi. Donc voilà. Ensuite, en scrapbooking, toujours en scrap, je me suis pris les papiers tissus Mermaid, sirène, coquillage, etc. Donc vous l'avez en bleu, en rose, en bleu clair et en blanc. Et vous avez tout cela. Donc vous avez des coquillages, des tortues, des vagues. Et des vagues aussi. Voilà. Vous en avez deux de chaque. Ensuite, je me suis pris les Luxe Paper Blocks. Je me suis pris deux papiers, deux blocs comme ceci. Avec. Donc, des stickers. Enfin, des stickers, non, des die cuts, voilà, ils sont magnifiques, comme dirait Christina Cordula. Ils sont super jolis. Avec les motifs attrape-rêve. Ça, ça va être bien pour mon album attrape-rêve. Hop, avec du vélum. Alors, je ne me suis jamais servi du vélum. Ça sera l'occasion de tester. Hop, des papiers. Assez épais quand même. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une vidéo sur mon album Disney que je suis en train de faire, que j'ai même pas terminé. Le deuxième. Donc dans le deuxième, vous avez tout ça. Hop. Je vais vous montrer en détail. Avec la licorne.
Merde. Pardon. Mais c'est que ça se... ça s'accroche. Le petit panda, il est trop mignon. Mmh. Ah, c'est du vélum. Les papiers, je vais vite me dépêcher. Et stickers. Et voilà. Ensuite, je me suis pris les bordures, les dice de bordure. Donc celui-ci. 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 Et celui-ci. Donc voilà. Ensuite, toujours dans scrap, je me suis pris des nouveaux blocs. Donc je n'ai pris que deux parce que les autres ne m'intéressaient pas trop. Donc j'ai pris le Floral Feelings. Voilà, donc vous avez tous les papiers dessus, je ne vais pas faire un détail. Donc je pense que vous avez d'autres vidéos sur ça qui vous les montrent si vous voulez aller voir. Mais là pour l'instant, c'est que j'ai plus de batterie. De toute façon, je ferai un album avec toutes ces feuilles. Enfin, pas toutes, mais avec quelques-unes. Et en dernier que j'ai pris en double, celui-ci, donc le Lovely Mystery. Donc voilà, dans le motif un peu galaxie, un peu graphique, et aussi dans les tons pastels. Donc voilà. Et les papiers sont magnifique. Ensuite, toujours le dernier, la dernière chose que j'ai pris en rayon papeterie, ce sont les sticky bookmarks. Donc c'est sticky, les notes pour les marque-pages. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci. Celui-ci et celui-ci. Donc voilà. On va passer à tout ce qui est accessoires et maquillage. Donc me revoilà. Donc niveau accessoires. Et que j'ai pris aussi pour vous pour mon œil concours. Des petits bracelets, vous en avez 4 à l'intérieur. Vous avez ceux-là. Vous avez ceux-là. Ceci. Et ceci. Donc voilà. Et en choker, je me suis pris ceux-là. Voilà, dans les tons roses avec des perles, etc. Et je me suis pris celui-ci. Dans les tons marron, noir. Et j'ai pas trouvé celui avec les motifs bordeaux, bien sûr. Pourquoi le truc il est en plein milieu? Ok. Ensuite, en dernier, j'ai repris les pinceau licorne. Tidin. Et du coup je vais en mettre un dans le concours pour les 200 abonnés. Donc si vous voulez vous abonner, c'est maintenant ou jamais. Non, je rigole. Donc voilà. D'ailleurs faudrait peut-être que oui. Donc voilà. Et en nouveauté. En nouveauté. J'ai craqué. Elle est à 3,95€ chez Action.
Vous voyez la marque The Balm? Désolée pour le papier. Mais ils ont sorti une nouvelle palette. Et c'est celle-ci. Donc c'est la Makeup Palette Fascination Daily Makeup. Et le packaging, mon dieu, qui ressemble à la marque The Balm. C'est magnifique. Donc là, vous avez les... des fards crème, apparemment. Avec l'explication ici de ce que vous voulez faire. Et les fards, ils sont magnifiques. Oh, la pigmentation aussi, elle est très bonne, non? Pigmentation de folie, hein? Vous avez un miroir et les fards. Donc c'est une palette de nude, hein, et la pigmentation. Oh my god. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Vous avez vu? Donc là, la noire, c'est la pure confidence. La rose très pâle, c'est le glowy pink. Et le marron, qui est juste là, c'est le shimmering brown. Et honnêtement, le rose, il peut faire un highlighter, non? Mon dieu, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Donc, du coup, vous aurez dans le concours des 200 abonnés une palette de, comme de celle-ci, et donc les pinceaux licorne qui font un superbe combo. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Le haul Jiffy, du coup, après réflexion, je le ferai demain parce que là je suis crevée. Je suis fatiguée. Je le ferai demain, promis. Du coup, je vous posterai cette vidéo demain. Et pas ce soir. Parce que j'aurai la flemme de faire le montage de ce soir. Donc du coup, je le ferai demain. Je me lèverai tôt. Et puis voilà. Et demain, je vous filmerai la Birchbox que j'ai oublié aussi de vous filmer, celle du mois de mai. Mais du coup, je ferai celle du mois de juin à la place. Je suis vraiment désolée. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Une bonne fin de soirée de dimanche soir. Et que votre semaine va bien se passer, j'espère. Et j'espère que moi aussi, j'aurai encore un petit peu de motivation. Mais voilà. Demain, je suis en repos et du coup, bah, je vais pouvoir faire le haul de Jiffy et peut-être un live parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce que on te revoit dans un live. Donc voilà, peut-être que demain soir, vous aurez le droit à un live. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous !